Alors nous sommes le 18 février, il fait 17 degrés. Là je suis au rucher des cerfs, je viens faire le contrôle des réserves. Mettre des cadres derrière les partitions. On voit les colonies, ont l'air belles. Hein. Ont l'air bien actives, bien en place. Il y a du pollen. Petite boule jaune qui rentre, signe de couvain. On ouvre. Je me suis amusé à faire une boîte par rucher. Donc là, on est au rucher des cerfs. Donc je prends la boîte et dedans il doit y avoir un lève-cadre, une pince. Et s'il n'y a pas, donc sa paire de gants. Comme ça, chaque rucher a son propre matériel. Et au niveau hygiène et pour limiter la transmission des maladies, c'est idéal. Ça coûte un peu plus cher, mais. Donc là il ne doit rien avoir parce que je ne suis pas encore venu, voilà. Donc on y mettra la paire de gants associée, un lève-cadre, une pince et c'est bon. Ça c'est un essaim dont j'ai acheté la reine l'an dernier, l'essaim a été fait par moi-même. Magnifique, des abeilles hyper douces. Le pain de candique je l'aurais mis au 17 janvier, là on est le 17 février, ben, ils l'ont tout bouffé. Du coup, je vais remettre un nouveau pain de candy, mais cette fois un peu protéiné pour continuer à dynamiser la colonie. Je vais rajouter également trois cadres à construire sur le côté. Comme ça, quand elles ont la dynamique, elles passent de l'autre côté et elles construisent les cadres. La façon est faite, donc les trois cadres neufs marqués jaunes, parce que la reine de cette année va être jaune. Comme ça, ça permet une bonne rotation. Il faudra que je vire celui-ci. Est vieux, voilà, c'est fait, je referme. Là on voit, c'est vraiment des belles colonies ça. Voilà toutes les colonies, les essaims que j'ai créés l'an dernier avec ces rennes sont dans la même situation, en très belle situation, en pleine expansion. Elles ont mangé tout leur candy que j'ai posé il y a exactement un mois, 1,7 kg de candy qu'ils ont mangé. Donc là que je remplace par un candy protéiné pour continuer à dynamiser les seins pour qu'ils soient magnifiques dès les premiers beaux jours. Parce qu'il y a encore trois cadres à construire et à bien remplir que je vais ajouter directement. Ainsi que le petit pain de candy qui leur fera bien du bien. Bien du bien. Et voilà un peu de fumée pour les faire descendre. Je vais descendre les dernières gentiment. J'ai posé le pain de candy par-dessus les constructions qu'elles ont faites, ça évite d'écraser les abeilles, malgré tout. Bien rentrer ça là. Voilà, les cadres neufs, des colonies super douces, ça c'est vraiment agréable. Hein. Des abeilles comme ça, c'est de l'or, j'adore. C'est... Heureusement qu'il fait 17 degrés, malheureusement. On est le 18 février, il fait 17 degrés, mais ça permet d'ouvrir les ruches sereinement, sans risquer de trop refroidir le couvain. Voilà, prêt à refermer. Ils sont d'une douceur extraordinaire. Mais alors, quelle bande de morphales! Elles ont nettoyé leur boîte d'1,7 kg de candy en un mois. Il n'y a plus rien dedans, hein. C'est nettoyé. Merveille, ça fait plaisir, ça, des abeilles pareilles, des magnifiques colonies quoi. On va démarrer le printemps sur les chapeaux de roue, il va falloir que je m'accroche.